Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous est présentée par Lozam. La digitalisation, élément clé pour les entreprises et notamment pour les directions achats et finances. On en parle avec mes deux invités, Xavier Pierre Bess, vous êtes vice-président business en opération chez Corecentric, bienvenue. Et Nicolas Hunschneider, vous êtes directeur général d'Univi, on verra ça plus tard, mais un acteur national du grand âge, de la santé et du handicap. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Mais tout d'abord, j'aimerais vous interroger sur une question un petit peu plus large, c'est-à-dire où en sont les entreprises en matière de digitalisation. On dit que ça s'est accéléré avec le Covid, qu'en est-il ? Alors c'est effectivement un vrai sujet post-Covid autour de la digitalisation des organisations au travers bien entendu d'outils. Et c'est là où effectivement Corecentric vient présenter une vraie valeur ajoutée pour n'importe quelle organisation, élément clé dans la stratégie aujourd'hui de n'importe quel de nos clients. Parce qu'il faut lever encore certains freins chez les entreprises à cette digitalisation. Alors effectivement, les freins sont quand même d'une composante très humaine, mais aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir présenter des solutions très ergonomiques, très conviviales, qui amènent du service et qui généralement font sauter les verrous, les freins autour de la digitalisation. Digitaliser pour une entreprise, pour un acteur du médico-social, c'est pas évident parce que ça impose un total changement de culture finalement. Alors en effet, ça impose un changement de culture qui est profond parce que le médico-social n'a pas été le premier secteur à se lancer dans la digitalisation et notamment nous y sommes venus assez récemment en fait et ça a été un changement de culture très profond, des changements dans la façon d'approcher les métiers, des changements dans la façon de transmettre de l'information, de la récupérer et surtout pour tous les métiers, des changements dans les façons de travailler, donc changement culturel à tous les niveaux de l'organisation pour nous. Et c'est là justement que vous intervenez pour accompagner les entreprises. Alors un mot de Corecentric. Alors oui, effectivement, Corecentric accompagne ses clients dans leur projet de digitalisation. Nous sommes un groupe international, environ 600 personnes dans le monde, près de 140 en Europe, une centaine en France, qui est un lieu géographique important pour Corecentric, puisqu'une grosse partie de la recherche et du développement autour de la digitalisation est réalisée en France, à Aix-en-Provence. Nous avons près de 300 clients qui utilisent notre plateforme de digitalisation à l'image du projet que nous avons conduit avec Univi. Et c'est une entreprise qui a une grande sensibilité client et qui est très centrée ou corecentrée autour du client. Alors parlez-nous d'Univi et dites-nous en quoi justement la digitalisation est essentielle pour vous. Alors, Univi, c'est un acteur national du grand âge et du handicap. Nous avons 90 établissements de santé, établissements sanitaires ou médico-sociaux, donc des cliniques, des EHPAD qui s'occupent des personnes âgées ou des personnes qui nécessitent du soin, mais aussi des établissements pour des personnes en situation de handicap. Et effectivement, Univi a été créé il y a assez peu de temps, puisque nous avons été constitués par le regroupement de l'ensemble des activités sanitaire et médico-social de l'Agir Carco et nous avons récupéré un parc qui au départ était très hétérogène dans ses pratiques et dans ses modes de fonctionnement. Et la digitalisation a été pour nous un moyen d'accélérer la mise en place des processus nouveaux et transversaux dans le groupe et donc d'accélérer la mise en place du plan stratégique d'Univi. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait appel à Corecentric pour vous accompagner justement dans la digitalisation de cette direction financière et achat ? Alors, Corecentric a fait partie pour nous des piliers de ce changement vers la digitalisation. Nous avons un pilier qui a été orienté sur toute l'activité soins, qui est notre cœur de métier. Et nous avons choisi de travailler avec Corecentric pour accompagner toutes les fonctions support, et notamment les deux grandes fonctions pour nous, qui sont la direction financière et la direction des achats, pour continuer d'irriguer l'ensemble des processus d'Univi avec leur outil. Alors pourquoi Corecentric ? D'abord parce que Corecentric répondait à deux processus en même temps pour nous, les achats et la finance. Ensuite, parce que Corecentric avait des retours et surtout des clients déjà dans notre secteur, donc ça nous a rassurés sur leur capacité à nous accompagner sur les sujets que nous voulions adresser. Et puis Corecentric a un outil qui aujourd'hui est très accessible pour l'utilisateur. Il était important pour nous dans le
dans un processus de digitalisation, de faire en sorte que l'outil soit facile d'utilisation. Et là, c'était une des grandes forces aussi d'Univi, qui a un outil extrêmement intuitif, très facile d'utilisation. Donc ça nous a vraiment, ça a fini de nous convaincre, en plus du fait que, bien évidemment, il remplissait les fonctionnalités clés que nous attendions. Vous avez un bon ambassadeur, là, mais dans l'approche de l'accompagnement des entreprises, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, quand on parle de projet de digitalisation, au sens large du terme, j'ai envie surtout de parler de collaboration. Collaboration entre les différents services, les différentes directions chez n'importe quelle organisation. Et on est typiquement, j'ai envie de dire, sur des projets de réconciliation entre des directions achats, des directions financières ou comptables qui souvent, voire parfois, ne se parlent pas. D'accord ? Et on voit réellement une opportunité autour donc, de la dynamique donc, de ces projets de digitalisation et de collaboration à finalement les réconcilier, à les faire collaborer, d'accord ? Et faire en sorte qu'ils soient tous alignés sur un même et même objectif de service rendu à l'organisation. Votre retour d'expérience ? Ah. Alors le retour d'expérience qu'on a, c'est un... En fait, on a choisi de déployer le projet avec CoreCentric au départ sur nos fonctions support, les fonctions de siège. Et notre activité la plus importante et qui était la plus organisée au départ, notre activité des établissements seniors. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur ces aspects avec CoreCentric. C'est un projet que nous avons déployé très rapidement au départ avec CoreCentric, puisqu'on avait 6 mois de déploiement, puis un go live qui s'est fait très vite sur l'ensemble de ce périmètre. Et maintenant, 2 ans plus tard, le processus, l'outil est bien maîtrisé sur ce périmètre et nous avons décidé de l'étendre à nos autres activités, nos autres pôles, pour avoir une couverture complète de l'outil sur l'ensemble d'Univi, ce qui jusqu'à présent n'était pas encore le cas. Vous allez encore travailler un bon moment ensemble. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous a été présentée par Lausam.